Blériot, il faut que la loi soit respectée, mais on a quand même des problèmes de fond. Il faut dire que ce problème foncier est une grosse bombe quand même au Cameroun. Au-delà des tests qui existent, il y a également les réalités, les mentalités qui ont pignon sur rue. Et beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à accepter également qu'on vienne leur brandir de tels tests qui leur enlèvent le droit sur les terrains qui sont les leurs parfois depuis des trentaines d'années. L'ordonnance de 1974 que beaucoup évoquent, et on félicite le feu président Amadou Ahidjo, est une ordonnance inique parce qu'elle violait la réalité. Et le professeur a suggéré que la loi se renouvelle. Elle aurait dû être renouvelée depuis. Je vous fais remarquer que l'État n'est pas propriétaire des terres dans la réalité. L'État vient après les terres. Et si vous faites attention, les terres chez nous ont des noms. C'est-à-dire qu'on appelle les terres par des noms. Pour cela que le professeur va se battre là, il sait que chez lui, toutes les terres portent des noms de nos ancêtres. Chez moi, on appelle la terre par le nom du père de l'ancêtre éponyme de la tradition. Et les gens de mon village savent que telle terre appartient à Niémek, telle n'appartient pas à Niémek. L'État a trouvé cette situation. Et la loi qui a été votée est à deux vitesses. Vous verrez bien que dans la constitution du titre foncier, il ne l'a pas évoqué, mais il faut évoquer, on me donnait un document qu'on appelait l'abandon des droits coutumiers. Qu'est-ce que cela signifie? Abandon des droits coutumiers. Cela signifie que l'État reconnaît qu'il y a des gens qui ont des droits sur la portion de terre qu'on voudrait donner à quelqu'un d'autre. Et cet abandon, c'est que eux, ils acceptent, moyennant un paiement ou quoi d'autre, qu'on cède à celui qui n'a pas de droit coutumier sur cette terre. L'ordonnance de 1974 arrive dans un contexte particulier, il a évoqué une partie, mais le président Amadou Ahidjo n'était pas de la région du centre, ni du littoral. Sauf que dans la grande région du centre, centre-sud, il y avait un grand problème foncier qui se posait pour les originaires du nord qui avaient occupé une bonne partie de Yaoundé. La loi doit être de portée générale et impersonnelle. Malheureusement, quand une loi veut résoudre un problème particulier et qu'elle s'étend de manière générale, dans la suite, elle pose de nouveaux problèmes. Ces terres donc qui ont été ouvertes à l'immatriculation directe à l'époque, quelques-unes ont été immatriculées de cette façon-là. Quand vous êtes à Yaoundé, quand vous entrez dans la zone de Madagascar, briqueterie et autres, vous verrez que une grande communauté venue du Grand Nord est propriétaire des terres de cette zone-là. Vous rentrez maintenant dans la réalité. Lorsque nous avons traversé 1974 et que on a continué à dire cela, c'est-à-dire je peux me lever, le professeur Nkouvo ne peut se lever, il vient donc à Boumiébil et il sollicite la terre que mes ancêtres m'ont laissée. Il demande une concession. Le sous-préfet et lui se disent que oui, il a un grand projet. Je veux prévenir ceux qui ont fonctionné de cette façon-là, en allant rapter des villages entiers, qu'il faudrait qu'ils prient pour que leurs enfants soient aussi puissants qu'eux-mêmes. Ces sous-préfets qui ont 150 titres fonciers et préfets, ils seront dépossédés par la réalité naturelle. Ces populations qui n'auront plus où aller. Quand on le dit, les gens veulent se voiler le visage. Monsieur l'ancien préfet, l'ancien sous-préfet gouverneur qui avait 150 titres fonciers à la maison,
vos enfants ne pourront pas occuper ces terres-là à travers le Cameroun. Parce que vous avez spolié souvent des populations qui étaient incapables de se défendre. Il y a des populations aujourd'hui qui n'ont plus où aller. Et dans la logique donc naturelle, celui qui n'a plus où aller fait la guerre à celui qui occupe la terre. Parce que ces terres portent d'anciens noms. Ces noms-là sont rattachés à une certaine communauté. Moi, je ne défends pas les gens qui ont vendu leur terrain. Pour vendre le terrain, il faut en être propriétaire. Mmh. Et qui, aujourd'hui, veulent faire les malais. Non, non, je ne suis pas de leur côté. C'est-à-dire, hier, vous avez vendu dans les normes. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, vous n'avez plus les choses ont pris plus de valeur. Non, vous n'avez plus aucun droit. Je m'attaque particulièrement à ceux-là qui arrachent les portions de terre sous le prétexte soit des concessions, parce qu'on vous parle de concessions, mais soyons un peu logiques. Il y a une limite dans toutes ces affaires. Je connais des grands hommes de cette nation qui ont eu des concessions sur plus de 250 hectares. La loi ne le permet pas. Mais vous entendez que dans le village de quelqu'un, telle personnalité a eu deux... Il y en a même une qui a 2000 hectares dans le village des autres. 2000 hectares. Est-ce que la loi a posé une limitation? Je crois qu'elle ne peut pas dépasser 50 hectares. Mais il y en a qui sont propriétaires de 2000 hectares, n'est-ce pas? À travers ce que l'État a appelé la concession. Que vont faire ces populations-là? Elles iront où le moment venu? Puisqu'elles n'ont même pas des facilités pour avoir des titres fonciers. Autre chose. Comment empêcher aux populations autochtones, même si les gens n'aiment pas ce mot, les autochtones existent. Faut plus, c'est pas un débat. Les autochtones existent et chacun sait autochtone d'où il est. Il y a une... Donc, on ne venait pas au. Même les autochtones de Ngaoundéré, ils connaissent où il est. Je veux bien qu'on me dise, monsieur, oui, bien sûr. Alors, j'aimerais que me soit donné, et à tous les téléspectateurs, oui, la définition d'autochtone. Dans ce cas, je leur dirais, si je suis autochtone, au nom de Ngaoundéré, ou d'ailleurs, lorsque j'aurai cette définition venant de vous, puisque vous affirmez, moi du coup, ce que le terme exige, oui, ce terme peut exiger sur le plan anthropologique, sur le plan social, et que sais-je encore. Mais moi, j'attends depuis fort longtemps, depuis que cette notion a été intégrée dans la nomenclature juridique au Cameroun, qu'on nous donne une définition d'automne, et puis nous allons vivre le débat. J'attends de la position, sur ce point seulement. Comment définissons-nous sur le plan juridique le terme autochtone? Et de l'autonomie, nous allons toujours réduire que ce soit sur le plan juridique. La logique. Parce que moi, je me soumets d'abord à la norme juridique. Je suis encore là. D'accord. Mais moi, je peux accepter le vote. Je vous remercie d'avoir avoir donné la définition. Merci d'avoir donné la définition anthropologique d'autochtone. Vous êtes ici à Efoulane, là où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas ici à Bikok ou à Mbalmayo. Ici, ça s'appelle Efoulane. Il y a le nom Efoulane renvoie à une réalité anthropologique. Nous nous trouvons sur les terres des gens d'Efoulane. Quand vous descendez là, chez moi, en Vorada, où Vorada, c'était une fille. Ce sont ses terres. C'est elle qui est autochtone. Et la descendance d'un Vorada, c'est leur terre. C'est eux les autochtones d'un Vorada. Ainsi de suite. À Boumierelli, il y a des autochtones là-bas. Ainsi de suite. Et les noms des terres là-bas ont les noms de leurs ancêtres éponymes. C'est eux. Et partout dans le Cameroun, c'est comme ça. Tout le monde le sait. Quand vous êtes à Douala, vous êtes à Akwa. Quand vous n'êtes pas à Akwa, vous êtes à Bonanjo. Vous êtes à Bonanjo. Et Bonanjo signifie quelque chose. Bonaberi signifie quelque chose. Ainsi de suite. C'est eux, les autochtones. Si ça énerve les gens, parce que... Non. Oh, je comprends que les gens, les nomades aiment la guerre. Quand vous n'avez pas où rester définitivement, vous vous baladez. Parfois, où vous arrivez, vous pensez que vous allez vous imposer. J'ai passé un week-end à Douala le dernier et j'étais dans un petit hôtel. Le gérant de cet hôtel vient du Nord-Ouest, sans stigmatisation. Il dit à quelqu'un, je vais te tuer. Je lui dis, mais quand on a vécu dans un environnement de guerre, on croit voir la guerre partout. Tu vas le tuer comment? Donc, quand vous êtes nomade, vous pensez que partout où vous vous établissez, ça devient le chez vous. Non! Vous êtes des fils d'adoption. Le Cameroun a un temps de création. On a créé le Cameroun. Le Cameroun n'est pas venu ex nihilo. Et les réalités qui existaient là,
On vous dira, les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun. Les Pygmées n'ont pas occupé tout le Cameroun. Les Pygmées aujourd'hui sont autochtones quelque part au Cameroun. Ça dérange simplement. Et dans ce discours-là, vous allez dans le Grand Nord, les Nordistes n'ont pas un problème qu'on appelle les Bassas autochtones des Zeka. Non, ils n'ont pas ce problème. On sait qu'il y a ce problème. Et on ne va pas se laisser inféoder parce que les gens ne veulent pas admettre cette notion-là. Alors, il y a des règles. Et ceux qui sont autochtones, donc qui sont liés directement à la terre, ont une primauté et une préemption sur cette terre-là. C'est-à-dire que c'est à eux que la terre doit revenir en priorité avant les autres. Le président Aïdjo résolvait un problème particulier, lui a donné une portée générale. Et juste, c'est récemment que le ministre des Domaines a dit qu'il ne fallait plus exiger, qu'il fallait sursoir à l'abandon de droits coutumiers. Les chefs de village, vous les élisez sur quelle base, s'il n'y a pas les autochtones? Je crois que dans chaque village, on désigne un chef. Quand vous êtes, même dans la grande ville Yaoundé, les chefs de village sont encore les villageois de Yaoundé. À la limite, il ne peut être chef de bloc. Mais pour être chef de quartier, il faut être relié directement. Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous explique cela? Vous le comprenez même très bien. Ici à Yaoundé, tous les chefs de village de Yaoundé, parce que Yaoundé c'est un ensemble de petits villages, sont les autochtones de ces villages. Et ils y pratiquent les traditions qui sont liées à leur autochtonie. Une fois que nous sommes tous d'accord sur ce plan-là, quand on accède donc à la terre, il faut associer suffisamment les autochtones. Et je pense qu'il faut revoir la question foncière dans le but de ne pas faire disparaître certains peuples. C'est très important. Parce que les gens voient simplement la puissance financière et les agissements qu'ils posent aujourd'hui. Mais à la longue, on va faire disparaître des peuples qui seront donc obligés de revenir guerroyer malheureusement.